la vieille mine est bien plus vieille et mineuse que je l'avais imaginée. Et obscure. Et effrayante. Oh, c'est vrai, j'ai la cloche porte-bonheur de Percy. Avec cette cloche à mes côtés, rien ne peut m'arriver. Alors, c'est parti! J'ai réussi! Thomas! Il n'y a peut-être pas de fond. J'ai réussi! J'ai traversé la mine! Et tout ça grâce à la cloche porte-bonheur de Percy! Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Je n'aurai plus de frayeur quand les choses peuvent dérailler, parce que j'ai ce porte-bonheur qui est à mes côtés. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Des grottes hantées ou des rails cassés, cette cloche a un vrai don. Elle est toujours prête à me sauver, à me servir de wagon. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Percy qui me l'a donné, c'est vraiment mon ami. J'en prendrai soin, oui c'est juré, je le ferai, c'est promis. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-pop. Oh oh. Ouf. Oh non, la cloche de Percy. Oh oh. J'avais fait une promesse de Thomas à Percy. Je devais prendre soin de sa cloche. Oh, j'ai échoué. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste dire la vérité à Percy et je suis sûre que tout se passera très bien. Hein? Oh, j'espère que ma chance n'est pas en train de tourner. Oh! Doucement, Mérou! Doucement! C'est fini, la chance est partie. Sans le porte-bonheur de Percy. Kana? Pourquoi tu n'avances plus? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis arrêtée tout d'un coup. Tu n'as plus de vapeur? Je n'utilise pas de vapeur. Je fonctionne à l'électricité, mais ma batterie est chargée à fond. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien. Je suis juste à l'arrêt. Comment vais-je emmener mes wagons à la gare de la ville des Vicaires maintenant? Et si je tirais tes wagons et toi jusqu'à la ville des Vicaires? Mais tu ne seras peut-être... pas assez rapide pour arriver là-bas avant ce soir. Je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je vous emmènerai là-bas à temps. C'est une promesse de Thomas. Top électrique! Merci, Thomas. Allez, accroche-toi. Ça va rouler. Tu t'en sors, Thomas? C'est plus lourd que je ne le croyais. Il va falloir que j'y mette un peu plus d'huile d'essieu. Oui! Oui, on avance. On est sur la bonne voie. Thomas, est-ce que tu crois qu'on pourrait essayer d'aller un tout petit peu plus vite? Nous... nous ne sommes pas seuls. Oh. Thomas, pourrais-tu accélérer un peu le rythme, s'il te plaît? Nous devons impérativement nous rendre à Hardwick, mon grand. Et nous devons y arriver aujourd'hui, mon mignon. Oui, je comprends. Je fais de mon mieux. Je croyais que les trains à grande vitesse étaient censés rouler à grande vitesse. Elles vont en marche arrière ou quoi? C'est la première fois que je fais attendre les autres. S'il te plaît, accélère un peu, Thomas. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour t'aider? Ne t'inquiète pas.
t'inquiète pas, je crois que j'ai une idée. Nous allons prendre une voie détournée. C'est mon raccourci secret. Merci, Thomas. Bonne chance. Sois prudent, mon grand. Ne te perds pas en route. Oui, ne te perds pas en route. Tu es sûr que c'est bien un raccourci, Thomas? N'aie pas peur. J'ai fait la promesse de Thomas de te mener jusqu'à la ville des vicaires avant ce soir et c'est ce que je vais faire. D'accord. Si tu penses que tu peux... Oh, attends! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde la voie ferrée. Elle est pleine de montées, de descentes et de virages. Les trains à grande vitesse comme moi peuvent dérailler s'ils prennent les virages trop vite. Heureusement que tu as adopté la vitesse de Thomas. Accroche-toi à tes essieux, tu vas bien t'amuser, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce qu'il y aura d'amusant? Je vais te montrer. Tu es prête? Je crois. Oui! Aucune chance que Thomas gagne cette course. Je ne suis pas sur la bonne voie. Thomas, attrape! Merci les amis. Prochain arrêt chez Whiff. Attention, à fond les wagons. Fonce, Thomas! Ne vends pas la peau de l'ours. Diesel est revenu dans la course. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais passer devant toi. Voilà qui devrait le ralentir. Oh. On se retrouve à l'arrivée. Oh. Oh. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais te rattraper. C'était difficile. Oh non! Oh! 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 Mes wagons! Oups! On est passé près! Oh! Percy, baisse-toi! Oh! Pas de panique, Thomas! J'ai dévié les voies pour arrêter tes wagons fugueurs! Carly! Ils sont hors d'usage! Regarde! Oups! Moi aussi, je vais être hors d'usage! Oh non! Quel plongeant dans la boue! Attends, je vais te remettre sur les voies. Oh, à quoi bon? Diesel a pris tellement d'avance que je ne gagnerai jamais la course. Je ne suis peut-être pas un vrai numéro 1 après tout. Pour moi, tu es toujours le numéro 1. Tu n'as pas besoin de gagner une course pour être une bonne locomotive, Thomas. Et tu as promis à Gordon de faire sa livraison quoi qu'il arrive. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai fait une promesse et je la tiendrai. Parole de Thomas. Je vais siffler et faire tchou-tchou. J'ai promis d'être au rendez-vous. On va siffler et faire tchou-tchou. On poussera jusqu'au bout. Des trains que je ne connais pas. Je suis Sandy. En quoi puis-je vous aider? Psst, c'est nous, Thomas et Percy. On est agents secrets. Chouette, beau déguisement. Merci. On se demandait si tu avais des gadgets sympas pour se faufiler dans le noir. Y'a qu'à demander. Chut, 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 chut. On est en mission top secrète. Oh, d'accord. Suivez-moi. Un petit boulon à gauche. Non, plutôt à droite. Voilà, c'est parfait. Ta-da! Maintenant, vous pouvez envoyer des messages secrets en couleur. Essayez. Traduction. Attention, dinosaures sur les voies. Des signaux de fumée colorés. Je vous ai aussi accroché un réservoir d'huile super glissante. Au cas où vous devriez vous sauver en urgence. Oh. Oui! Vous voyez? Génial! Maintenant, le plus super secret de tous les gadgets que j'ai. Oh? Qu'est-ce que c'est? Il est tellement super secret que je n'en sais rien. Carly m'a dit que c'était seulement pour un cas d'extrême urgence.
Merci, Sandy. Maintenant, on est prêt à tout affronter. Oui, je n'ai plus aussi peur et j'ai hâte de remplir cette mission. Prêt, agent 006? Fin prêt, agent numéro 1. Merci d'avoir demandé les super méga géniaux services de gadgets secrets de Sandy. Allez, éteignons nos lumières et on va voir si on passe la grande gare sans être remarqué. Éteindre nos lumières? D'accord. Soyons très discrets. Chut. Pfiou, on a eu chaud. C'est vraiment amusant, Tom. Je veux dire agent numéro 1. Très amusant, agent 006. Tu es sûr qu'on ne devrait pas garder nos déguisements, Thomas? Personne ne peut nous voir dans le noir. Oh, c'est vrai, le noir. Thomas, c'est quoi ce bruit? Ce n'est pas quelque chose d'inquiétant, Percy. Regarde, c'est juste une vieille girouette qui grince. Oh, dans le noir, les agents secrets ne sont pas seulement invisibles, ils deviennent aussi très silencieux. On va tester en se faufilant à roue de loup à travers la ferme sans réveiller les animaux. Suis-moi. Bonjour, James. Cliquetis. Oups, j'ai recommencé. Bonjour, Émilie. Diesel, tes conduites font énormément de bruit. Cliquetis, clac. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien avec ces conduites qui s'entrechoquent. J'ai dit, tes conduites font énormes. Quoi? Il faut que je m'éloigne de ce bruit. Oh, tu veux faire la course? C'est parti. Non, je ne veux pas faire la course. J'essaie juste d'arriver à destination en silence. Tu ne te débarrasseras pas de moi, Thomas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hé, hey, mais où vas-tu? Au port de Brendam. Mais en silence. Oh, tout est calme et tellement paisible. Et tellement chaotique. Mais ça tourne. Ouf. Tout va pas. De bruit, si seulement j'avais un wagon frein. Une bonne tasse de thé. Les roses sont toutes bleues. Moi, je fais partie d'un train. Et vous, qui êtes-vous? Elles dorment encore. Wow! Si tout ce bruit ne les a pas réveillées, rien ne les réveillera. Oh, c'est l'heure du déjeuner. J'aimerais bien une bonne tasse de thé. J'ai parlé trop vite. Je dois les mettre à l'abri de la pluie. Ah, voilà un tunnel. Génial. Bon, au moins ici, on est au sec et au calme. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non. Chut. Chut, 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 chut. Comment signaler ma présence sans faire mon bip? Oh, la lumière. La lumière, c'est silencieux. Bonjour, Percy. Bonjour, Thomas. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? J'emmène Annie et Clarabelle au port pendant qu'elles dorment. Cool, comment ça se passe? C'est plus difficile que je le croyais. Peut-être que je pourrais t'aider avec ma cloche porte-bonheur. Absolument. Mais n'oublie pas, nous devons rester super ultra silencieux. Je serai encore plus discret qu'une souris. Hé, hey, Thomas. Salut. Tu n'as pas fait bip dans le tunnel, tu vas bien? Gordon ne veut pas que je fasse bip sur la livraison. Mais écoute ça. C'est génial. Et tu peux totalement faire le travail correctement et faire bip en même temps. Je sais, c'est comme s'il voulait m'empêcher de m'amuser comme j'aime.
Un peu comme pendant la course d'obstacles de ce matin. Oh, c'est pour ça qu'ils sont partis. Tu es effrayée par cette colline? Oui, c'est ça. Alors l'escalader n'est pas amusant pour toi? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas aimé mon saut périlleux parce qu'il est comme cette colline. Oui, c'est ça. Alors le super méga saut périlleux s'est transformé en super méga... saut cafouilleux. Oh, Percy, je ne savais pas que tu ressentais ça. Je n'étais pas le seul. Hein? À plus tard, Thomas. Percy, attends. Je peux le faire, je peux le faire. Hé, Kana. Je dois vraiment me concentrer, là. Ces virages sont terribles pour moi. Oh. D'accord, comme dans la zone des zigzags, les virages devaient être terribles aussi pour toi. Oui. Hé, Kana, je suis vraiment... Salut, Thomas. Désolée. Attends. Tu vois qu'on est bien dans la boue. C'est vrai qu'elle fait du bien, mes engrenages. Oh, c'est pour ça que tu t'entêtais à sauter dans la boue au lieu de la survoler. Hein? Je me suis trompée, évidemment. J'ai fait des règles idéales pour moi, mais chacun a sa façon très personnelle de s'amuser. Je sais comment remettre les choses sur les voies. Coucou les amis! J'ai une grande surprise pour vous sur ma course d'obstacles. Venez vite voir. Je dois aller brosser ma cheminée. Oui, je dois recharger mes batteries. Je vous en prie, vous aurez droit à un graissage des essieux en plus. D'accord, Thomas. Allons voir cette surprise. Tada! La nouvelle fabuleuse course d'obstacles de Thomas améliorée. J'ai compris que vous deviez pouvoir faire les choses comme vous vouliez. Alors j'ai tout refait avec quelque chose de spécial pour chacun de vous. Allez, amusez-vous. Tu aimes la nouvelle zone Zoom Zoom? C'est fantastique. Ce dragon sera à moi. Que nenni, il est à moi, chevalier. Le chevalier vert est prêt à livrer bataille. Je te tiens. Non, je ne te tiens pas. Le chevalier noir est invisible derrière son rideau de fumée. Mange-moi. Je vais t'attraper, chevalier bleu. Hein? Un moyen de... Oh, de m'enfuir. Hey, joli. Wow. Wow, une guirlande. Le chevalier bleu n'a pas lâché son dragon. Tiens, hé, mais où est le dragon? Il s'est enfui. Oh non, où est-il passé? Oh, ouf, il s'est arrêté au sommet de la colline. Le premier qui le capture est un noble chevalier. Je serai le plus noble de tous les chevaliers, vous allez Attendez, voir. Attendez, non, le mérite doit me revenir à moi. Le moment ou jamais de capturer le dragon une fois pour toutes. Je t'accompagne. Oui. Non, c'est mon travail. Reviens, dragon. Oh, le dragon va nous échapper. Oh. Oh non, il va heurter ce train. Chevalier orange à la rescousse.
mais ne t'inquiète pas. On va le faire ensemble. Comme les wagons des montagnes russes. Et tu seras notre passager, bien en sécurité au milieu. On fait un petit essai? Oui, c'est vrai que c'est assez agréable. Je veux bien. Hop, hop, on monte la colline. Clic, 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 clic. Tu es prêt? Je peux y arriver. Je suis bien en sécurité au milieu. Ça va aller. Je retire ce que j'ai dit. Et le plus difficile de tout Sodor. Mais on dirait le pic de la chevauchée. Oui, il y a un grand tournant comme dans les montagnes russes. Je sais que tu as un peu peur, mais nous sommes avec toi. Alors si tu... Oui, je sais, je sais. En avant. Où est Thomas? Je l'entends. Regardez, il amène la pointe de la fusée. Bravo Thomas. Capitaine Thomas à la tour de contrôle. J'ai vraiment sauvé la situation. Oh, rien que ça. Ça y est, la fusée est terminée. Et j'ai quand même livré quelque chose d'important en fin de compte. Oh, tu parles de la batterie? Non, je parle de la pointe avant. Thomas, la fusée ne peut pas décoller sans ta batterie. C'est elle qui alimente tout. Waouh, elle est très importante. Chacune des pièces est importante. Il va pleuvoir d'une minute à l'autre maintenant. Oh mince, le lancement est fichu. Pas si j'arrive à livrer la batterie dans les temps. Je vais la chercher plus vite qu'un éclair. Oh non, je ne suis pas sûre de devancer l'orage, même à la vitesse de l'éclair. Alors c'est une chance d'avoir pour ami le train le plus rapide du système Sodor. Cette fois, c'est moi qui vais t'aider en te poussant un peu. Wow, on va tellement vite. Je vole pour de vrai. Il est temps de terminer cette mission. À la vitesse de l'éclair. Vous croyez vraiment que Thomas va revenir avant la pluie? Aucune chance. Hé, hey, qu'est-ce qu'on entend? Thomas! Oh,
arrive trop vite. Thomas, la fusée. Au visuel, au courant d'atterrissage forcé. Oh non. Le compte à rebours. 10, 9, appuie encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Apparemment, livrer le voilier à la ferme n'était pas complètement un désastre. Oui, les vaches ont apprécié. Désolée les filles, il faut que mesdames se meuvent. Alors, avant de venir à la ferme, on a traversé les bosses et on doit ralentir. Très bien joué, à toute vitesse. Et par vitesse, je voulais dire à toute lenteur. Journée des contraires. Ça se coupe beaucoup moins quand on va doucement. Oui, je veux dire non. Nom d'un boulon. Le levier est toujours en place pour prendre le chemin le plus long. Alors, on doit pousser le levier pour rester sur la ligne principale. Comment veux-tu qu'on réussisse en marche arrière? Et avec cet arbre au milieu des voies. Je viens d'avoir une idée. Maintenant, le levier. Wow! C'était totalement génial! On est de retour sur la bonne voie. Journée des contraires. Ah ouais. Juste à temps pour la croisière au coucher du soleil. Mais où sont passées les vaches? Allez les filles, on bouge. Voiture, mesdames. La pâture est à vous. Eh bien, on dirait que vous avez tout réparé. Mauvais travail. Évidemment, je veux dire excellent travail, parce que c'est la journée des contraires. Alors, je crois que vous pouvez vous amuser et travailler en même temps. Je suis heureux qu'on ait arrangé tout ça, mais aussi que la journée des contraires se termine. Je suis usée. Oh, moi aussi. Alors, bonjour, Thomas. Oui, bonjour, Percy. Journée des contraires. On était à la poursuite d'un arc-en-ciel. Oui, mais à chaque fois qu'on s'approchait, il se sauvait. Attendez, est-ce que cet arc-en-ciel avait du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet comme couleur? Oui. Tu l'as vu quelque part? Disons que vous en êtes plus proche que vous croyez. Oh, il est là! Venez, allons découvrir ce qui se cache au pied de l'arc-en-ciel. Que peut-il y avoir au pied de l'arc-en-ciel? Oh, c'est peut-être un énorme colis de sifflet. Hé, attendez-moi! Wouhou! Rien ne pourra nous arrêter maintenant! J'avais jamais vu cette montagne jusqu'à aujourd'hui. Oui, je vois bien l'arc-en-ciel au sommet, mais je ne vois pas comment y monter. Ces voies font seulement le tour de la montagne, mais ne montent pas. Oh, c'est sans espoir. Sans une voie ferrée pour monter, on n'atteindra jamais l'arc-en-ciel. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible?
On essaie d'attraper l'arc-en-ciel qui est là-haut. Génial! On pourrait peut-être emprunter ces voies derrière les buissons. Ah, tu as trouvé l'entrée secrète! C'est vrai? Je veux dire, bien sûr! Mais comment va-t-on les atteindre? Les rails sont cassés. Oh, pas de soucis! La voie pour l'arc-en-ciel sera bientôt ouverte! Pas de stress! Sandy et Carly règlent vos problèmes en vitesse. Un clac-clac par ici, un clic-clic par là. Là, un clic, là, un clac, un peu partout des clics-clacs. Oh, vite! L'arc-en-ciel va disparaître! Là, un clic, là, un clac, un peu partout des clics-clacs. Voici notre nouvel embranchement signé Sandy et Carly. Oui, les bois vous rappellent. Jamais arrivé sans vous. Attention, tous les trains, à toute vapeur. Oh, partons au pied de l'arc-en-ciel. Hey, il y a sûrement de la magie. Partons au pied de cet arc-en-ciel. Tu en seras ébloui. Hey, c'est juste devant, on est si impatients. Au pied de l'arc-en-ciel et de toutes ses merveilles. Le pied de l'arc-en-ciel. Percy, il n'y a plus un seul drapeau dans ton wagon de livraison. Plus un seul? Mais je ne peux pas danser la pop du piston au défilé sans drapeau. On l'a peut-être perdu sur le chemin. Il faut juste qu'on refasse la tournée de Percy à l'envers. Il doit bien être quelque part. Alors je viens avec vous. Moi je file à la parade pour vous garder une bonne place. À tout à l'heure. Génial, c'est parti. On a demandé à tous ceux que tu as rencontrés sur la route de ta tournée. Alors il ne peut être que par ici. Cherchons un peu. Faites tchou si vous voyez de l'orange. Rien par ici. Et rien ici non plus. Tu l'as trouvé, Percy? Désolée, je croyais l'avoir vue. Mais c'était juste la carrosserie de Nia. Où peut-il bien être? Je l'ai trouvé! Je vais la voir! Diesel! Attends! Reviens! Il ne nous entend plus! Il faut qu'on le rattrape! Il a mon drapeau! Hein? Attends! Diesel! Oh! On veut faire la course? Vous ne m'attraperez jamais! Wouhou! Oh non! Il pense qu'on veut jouer à trap-train! Attends, Diesel! Tu n'as pas compris! Diesel se dirige vers le tunnel. Où est donc passé Diesel? Regardez, il est là-bas. Ils sont forts. Il est fort, mais on est meilleur. Jamais. Et voilà, impossible de m'attraper. Il est de ce côté. Suivez ce drapeau. Où allez-vous comme ça? J'ai gagné alors. Si j'étais un super train, je ferai de bonnes actions. Je ferai des sauts aériens, des accélérations. Ouah! Oups! Si j'étais un super train, ma vapeur me couvrirait. Je serais un vrai magicien. Personne ne me verrait. Je ne te vois plus et moi non plus.
Si t'étais un super train, tu ferais de bonnes actions. Mais on peut tous devenir un héros pour les trains que nous aimons. Je serais si fort et si rapide. Mes super pouvoirs me rendent intrépide. Les super pouvoirs, c'est prodigieux. Mais reste comme tu es. Tu es merveilleux. Si j'étais un super train, tout le monde me connaîtrait. Mais même sans tous ces pouvoirs, crois-moi, je t'aimerais comme tu es. Wow! C'était quoi ça? Des ennuis qu'on peut qualifier de agaçants. Comme dans Wagon agaçant. Oups! On dirait que le temps se gâte avec des risques de... Bouh! Ne surtout pas laisser la boue toucher l'écran. Bien, c'est cet écran propre être un jeu d'enfant pour... Moi, la machine anti-crime. C'est le moment d'utiliser ma super vitesse. Bien joué. Tu as sauvé la situation. L'écran s'est décroché. Attrape-le, Thomas. Il doit rester propre. Je vais essayer. Je l'ai. Beau rattrapage, Ultra Thomas. Est-ce que c'est lourd? Pas pour Ultra Thomas. Très bien. Revenons à nos rails, à toute vapeur. Oh oh, non non, pas à toute vapeur, pas à toute vapeur. Merci beaucoup à ton ultra vision, Ultra Thomas. Merci. La boue ne doit pas atteindre l'écran. L'écran. Ultra Thomas à la rescousse. Un saut de super-héros. Nous devons récupérer ce trésor. Ne le laissons pas s'échapper dans la tour noire. Il est là. Grâce à un stratagème, la victoire est à portée de main pour ces braves chevaliers. Thomas, comment se fait-il que tu joues avec ce ballon de plage sur mon quai de chargement? Ce n'est pas un ballon de plage, Cranky. C'est un trésor magique pour la reine des fées. Alors ça, c'est la meilleure. Oh non! Wow! Le globe! J'ai parlé trop vite. Il nous a échappé. Oh. Mais c'était amusant quand même. Hein? Wagonnier? Cranky, attends! Ce wagon n'est pas censé partir en mer. Ah! Alors où ce wagon est-il censé aller? Bonne idée, Wagonnie. Cranky, peux-tu me déposer aussi sur Bulstrode? Ah, je pense que oui. Wow! J'ai l'impression de voler. Oui, oui, ça doit ressembler à ça. Merci, Cranky. Hé, Bulstrode, je voudrais que tu suives ce globe. Ce globe? Tout ce que je vois, c'est un vieux ballon de plage. Ce n'est pas un ballon de plage. Ça, c'est le globe de la destinée. On joue au chevalier qui garde un trésor magique. Oh, j'adore les belles aventures. En route, les braves. Attrapons ce globe. La mer est agitée aujourd'hui. Oui, il y a une tempête qui se prépare. Attention, Wagonnie. Oh, non. Oh, il est temps de mettre à quai ce wagon. Oh, regardez, c'est Skiff. Oui, du bateau, Skiff. Skiff. Hey, Bulstrode, un peu de vaguelette aujourd'hui. Peux-tu nous aider? On essaie de ramener le globe de la destinée à terre. C'est ce vieux ballon de plage. Oh, bien sûr. Je vais l'envoyer jusqu'à la plage pour vous. Et voilà.
très joli tir, Skiff. Merci beaucoup. Pas de quoi. Maintenant, je devrais prendre mes voiles à ma coque pour rentrer au port. Au revoir, Skiff. Oh, merci, capitaine. Avec plaisir, chevalier. Désolé, on prend à droite. Mais c'est pas mon raccourci. Non, mais tu verras. C'est beaucoup mieux par ici. Mais ça va nous prendre deux fois plus de temps. Non, on ne doit pas passer devant la ferme. Il faut qu'on retourne à l'étang des nénuphars et qu'on reparte vers la forêt. Oh, Gordon, on m'a dit que tu avais livré tout le ciment du terminal des ferries de Norambi à toi tout seul. Mais ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Oh, que si! C'est tout à fait exact. Et ça n'a pas été une mince affaire, c'est moi qui te le dis. Tout le ciment devait être livré en une seule nuit. Et j'étais la seule loco disponible. Bien sûr, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais moi, j'ai dit, il faut que ce soit fait. C'est sûr, on est sur la bonne voie. Je le ferai. Toutefois, et tiens-toi bien, je n'avais encore livré que la moitié du ciment. Et le soleil se levait déjà. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors j'ai chargé mon wagon. Quoi? Pourquoi sommes-nous dans la forêt? Ces briques doivent être livrées aussi vite que possible. On arrivera plus vite à Norambi en passant par ici. Au contraire, nous finirons par ne pas y arriver du tout. Il faut emprunter l'autre voie. Navré, mais j'insiste. Hop, à droite. Non, d'un boulon. Thomas, attends. Tu vois, on traverse le pont de la débrouille. Oui, mais on le traverse dans la mauvaise direction. Ah, voilà le moulin à vent. Cette fois, c'est sûr, c'est la bonne direction. Non, tu parles de l'autre moulin à vent. Là, nous devons retourner dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je nous emmène par mon nouveau chemin. Mais ce n'est pas le bon. Oh que si. Non, pas du tout. Oh que si. Non, pas du tout. À gauche. Non, à droite. Hein? Thomas, mais que fais-tu sur cette voie? Oh, Thomas, je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je suis là, Gordon. Mais arrête de dévier comme ça! Je fais de mon mieux, Gordon! Et voilà, problème résolu! Oh oh! Tout va bien, Thomas? Oh oh! Les voies sont fermées! Stop! Pfiou! On l'a échappé, ben. Ce n'est pas un trésor, c'est... un monstre! Il a de grandes dents, mais ce n'est pas un monstre. Les paléontologues disent que c'est un dinosaure. C'est quoi un paléontologue? Un paléotalongue, Diesel. Un paléontologue, c'est un scientifique qui étudie les dinosaures en observant leurs os. J'adore les dinosaures, c'est super cool. Oh oui, et plus cool encore, ils ont besoin de locaux pour livrer les os au musée de la ville des Vicaires pour leur grande exposition sur les dinosaures. Ça, c'est une mission pour le club de la plus grande des aventures. Oui. Hé les amis, il faut qu'on aille à la mine. Et tout de suite, il y a des os. Des os? Des os de dinosaures. Des os de dinosaures? Allons-y! Oui! Électrique! Oui! Oui! Suivez-moi! Oui! C'est rigolo! Suivez-moi! J'adore les dinosaures! Moi aussi! Je suis un miasaure et je rugis! Moi, je suis un persidactyle! Méfiez-vous, les dinos! Je suis un canaraptère! Le Thomasaurus Rex est sur le coup! En avant! Ah!
regardez, les os se trouvent... Oh non, Gordon, le T-Rex est parti. Parti? Il faut absolument prévenir les paléoncatalogues. Les paléontologues ont enlevé le squelette et ont soigneusement rangé tous les os sur ces wagonnets. Prenez-en un chacun et gardez-les dans le même ordre, c'est très important. Les pattes, la queue, les côtes, les griffes, tête mâchoire. Pour pouvoir réassembler correctement le T-Rex, les paléontologues ont rangé ces wagonnets dans un ordre précis. Si vous perturbez le rangement... Compris. Attention, les locodinos démarrent. Si vous changez l'ordre des wagonnets, le T-Rex ne ressemblera à rien. Thomas! Thomas! Oh. Pattes et queue, côte et griffes, tête mâchoire. Pattes et queue, côte et griffes, tête mâchoire. Stop et mort et frappe et grogne. Pattes et queue, côte et griffes, tête mâchoire. C'est vrai que j'ai des idées géniales. Mais comment on va faire descendre les ingrédients sans rien casser? Ajoutons un peu de beurre pour les faire glisser. Et maintenant, les œufs et le lait vont descendre sans... Attends! Quoi? Ils s'écraseront à l'arrivée et seront tout aplatis comme... comme moi! Bien vu, Percy! D'abord les sacs de farine, pour une arrivée en douceur! Et maintenant, les œufs et le lait peuvent prendre le toboggan pâtissier! Et voilà! On a tout descendu! Non, pas tout à fait! Nous aussi, nous devons descendre! Exact! Je crois que nous devons nous laisser glisser aussi. Un peu comme sur des rails. Pas vrai? Tout doucement. Tout doucement. Je préférerais que ce soit rapide et facile. Pourquoi on ne va pas tout doucement? On a du beurre sur nos roues! Je fais quoi maintenant? À toi, tu recules d'un coup. 1, 2, 3. Ta dextérité me rend euphorique. Oh, salut James. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Il m'aide à vous chercher partout. Vous êtes en retard. Et vous n'êtes jamais en retard. Et vous êtes couvert de choses gluantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus assez d'ingrédients pour que tout le monde puisse concourir. Le concours de gâteau n'aura pas lieu. Oh. Monsieur Haute-Forme, j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Et si au lieu d'un concours, vous faisiez un défi? Un défi? Quel défi? Le défi du plus gros gâteau du monde. Au lieu de demander à chaque concurrent de faire un petit gâteau, ils travailleraient ensemble pour en faire un énorme. Oui! Il pourrait utiliser tous les ingrédients que transporte Thomas. Un seul grand gâteau, c'est une bonne idée. Je n'aime pas cette idée. Je l'adore! Nous allons confectionner le plus grand gâteau du monde! Génial! On va mettre la main à la pâte, t'as compris, hein? La pâte! Eh bien, ne reste pas planté là! Emmène-moi tout ça en ville! Mesdames et messieurs, chers locaux, je vous présente le plus gros gâteau du monde! Sa confection est le fruit de quelques maladresses et d'un formidable travail d'équipe! Je vous dis merci pour cette belle idée festive et gourmande! Thomas, ton défi a été relevé avec brio! C'était une excellente idée! C'est pour bientôt! Alors, tu le vois? Pas encore... Les amis, l'un de vous a vu le passage à niveau? Pas maintenant, Thomas. Il arrive d'une minute à l'autre. Oh, je comprends. Petit Bao arrive aujourd'hui. Il vient pour le feu d'artifice de ce soir. J'ai tellement hâte de le voir. Lui et le tigre super cool qu'il a sur le flanc. Et entendre son sifflet qui ressemble à un rugissement. Oui, comme ça. C'est sûrement lui. Bonjour, marin d'eau douce. J'ai à mon bord un passager qui semble bien impatient de vous voir. Oui!
Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de vous retrouver tous à Sodor. Et j'ai une surprise pour le feu d'artifice de ce soir. Elle vient tout droit de Chine. Waouh ! C'est fantastique ! Mais tu peux nous dire comment tu as gagné ton tigre super cool et aussi un tout petit peu effrayant ? S'il te plaît ! Oh oui, dis-nous ! Oh, ça n'a pas été si difficile. J'ai juste aidé quelqu'un. Mes pistons en frémissent d'impatience. D'accord, d'accord. Je l'ai gagné la fois où j'ai secouru... Oh, Annie et Clarabelle ? Annie et Clarabelle ? Je croyais que tu avais sauvé une loco enfouie sous une avalanche de neige. Non ! James pousse Annie et Clarabelle par ici. Mais le passage à niveau est coincé et il ne voit pas Gordon arriver. Il faut les arrêter. Oh oui, les amis, j'ai voulu vous le dire tout à l'heure. Gordon ! Gordon ! Hein ? Nom d'un piston ! Oh, ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Merci, petit Bao. Très bien joué. Merci, petit Bao. Et toi, petit Bao. Et tu n'as même pas eu peur. Ça ne va pas, Thomas? Ben, c'est moi qui aurais dû sauver tout le monde. J'avais vu les barrières coincées et j'allais avertir quelqu'un, mais... Petit Bao est notre héros. Vous avez vu ça? Oh oui. Alors, tu as eu l'occasion d'être un héros et tu l'as raté? Oui. J'aurais voulu montrer à Petit Bao combien je suis courageux. Enfin, tu n'es peut-être pas la loco la plus courageuse de Sodor. Tu as bien vu comment Petit Bao, lui, s'est précipité à la rescousse. Mais je l'aurais fait aussi. Tu es la plus courageuse des locos. Bon, retournons à nos livraisons pour ne pas rater le feu d'artifice de ce soir. À tout à l'heure. À ce soir, Bao. Ce que tu as dit. Harold, Thomas et Percy. Salut les gars, à vous. Harold. Waouh, ça me fait trop plaisir de te voir. Même chose pour moi, je suis très content, à vous. Premier matelot, Percy, nous arrivons à un aiguillage, dans l'océan. Prenons à gauche, droit vers les vaches. Je crois qu'il veut absolument que tu vois les vaches. Oui, Thomas et moi, nous devons livrer un sous-marin. Au pont, à gauche, on doit se diriger vers les vaches. De jolies vaches, en effet. Bon, j'ai une livraison pour le port. Salut, terminé. Salut Harold, à bientôt. Oh, il ne m'entend pas avec ses hélices. Percy ? Comment ça va, Percy ? Désolé, capitaine, je n'ai pas entendu à cause des hélices d'Harold. Oui. Je n'entendais pas non plus. Ces hélices font tellement de bruit. Mais Harold est fantastique. Absolument. Mais il faut qu'on trouve un moyen de communiquer, même s'il y a du bruit autour de nous. Même s'il y a du bruit, nos sifflets sont plus puissants. Écoute ça. Un coup, ça veut dire oui. Et deux, ça veut dire non. D'accord. Et un long coup de sifflet veut dire on accélère. Et deux longs coups, on ralentit. D'accord, c'est compris. Quatre petits coups si on veut aller super vite. Un long, un court si on veut aller juste un peu plus vite. Et trois coups rapides si tu veux qu'on s'arrête. Même chose si tu veux qu'on démarre. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Oui, ça va aller. Eh bien... Génial. Alors, on reprend la route. Premier matelot, Percy, accélérons pour franchir ce tunnel. Un long coup de sifflet. D'accord, ça, c'était un long coup de sifflet. Ça veut dire, on accélère. Génial, il a compris. D'accord, alors c'est parti. Le pont est levé, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est trois coups. Dire quoi, 12 coups? Oh non! Percy n'entend peut-être pas de l'autre côté de la montagne. Il faut que j'essaie autre chose. Oh. Hein? Oh, c'est marrant! Thomas a envoyé un signal d'arrêt. Un signal d'arrêt? Stop! Oh.
tenez bien, calme au fil de l'eau, hein, Thomas? Oh, oh, si calme. Quelqu'un peut m'aider à sortir de cette boue collante? T'inquiète, je suis là. Et voilà le travail. Merci beaucoup, Diesel. Je suis heureuse que tu ailles bien. Mais tu es encore un peu collante. On pourrait peut-être utiliser cette boue collante pour réparer le château gonflable. Tu es génial, Kana. Mais d'abord, nous devons le regonfler. Oh, moi, 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 moi. À toi de jouer, Percy. Et pendant que tu le gonfles, je vais chercher de quoi colmater. Fabuleux. Et maintenant, entonnez-toi. Une pointe de vitesse fera l'affaire. Merci, Kana. Regardez ça. Tout est comme neuf. Enfin, presque tout. Attends, on pourrait réparer l'orgue de Barbarie avec la boue, comme on a réparé le château gonflable. Wow, on l'a fait. Je suis désolée, petit orgue. J'aimais tant ta musique. Oui, j'adorais ces... Oh, et quand il faisait... Et sans oublier ces... Non, attendez. Le mieux de tout, c'était... Hé, les amis, recommencez. Recommencez quoi? Toutes les jolies notes que vous avez jouées. D'accord. Waouh! Tous ensemble, nous faisons la même musique que l'orgue. Mais alors, ensemble, on pourrait le remplacer à la fête de la plage. Je suis tellement heureux de vous voir. Je commençais à craindre qu'une chose terrible soit arrivée. Qu'est-ce que c'est? Nous avons eu quelques soucis pendant le transport. Oh, ça ne fait rien. Un château gonflable est fait pour rebondir et celui-ci remplit parfaitement son rôle. Jolie réparation. Non. Non, non, non. L'orgue de Barbarie, qu'est-il arrivé? Je viens pourtant de l'entendre jouer. Non, en fait, c'est nous tous que vous avez entendu. Les amis, un petit concert? Nous y sommes. Notre endroit pour la nuit. Ah, dormir en plein air. Sans toi au-dessus du moteur, quoi? Pas de mur derrière l'attelage. Je n'avais même pas pensé à ça. La musique de la forêt tout autour de nous. Je suis effrayée à l'idée de dormir loin de chez moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas que vous pensiez que je suis en train de mouiller. C'est normal d'être nerveux. J'étais toujours nerveux quand je dormais ailleurs. Moi aussi. C'est vrai? Totalement. Et camper dans les bois peut sembler effrayant au début, mais c'est vraiment très amusant. C'est vrai. Il y a un nombre incroyable de jeux à faire quand on campe. Vraiment? Comme quoi? Chou-chou-chou, le train file à toute vapeur. Sur les rails, sur les rails, sur les rails, sur les rails, c'est le vrai bonheur. Waouh! Regarde ces constellations, Percy. Ça, c'est Trinus. Oh, et celle de la loco. Et la petite vapeur. Ce sont les constellations du taureau, des gémeaux et celle de la petite ours. Vous savez quoi? Je crois que je commence à apprécier le camping. Heureuse de l'entendre, Percy. Oh, que je crois qu'il est temps d'aller dormir. Dormir?
Nous avons un long trajet à faire demain. On ferait mieux de se reposer pour être en forme pour faire nos livraisons. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Nia. Bonne nuit, Percy. Thomas, Thomas. Thomas. Oui, Percy. Ouf, tu ne dormais pas. Plus maintenant. Mais chut, tu ne dois pas réveiller Nia. Trop tard. Qu'est-ce qui t'arrive, le Camigo? Il y a tout plein de bruits bizarres autour de nous. Comme ça. C'est juste le petit cri-cri d'un gentil criquet. Un tracteur, c'est comme si c'était fait. Et enfin, une mention honorable pour Percy. Ta récompense, Percy, c'est une livraison de peinture. Fantastique! Oh, j'adore le rouge. Est-ce que c'est un rouge coccinelle ou plus un rouge loco de course? Bonne question. Voyons sous un autre angle. Oui! Oh, oh, désolé, Percy. Non, d'un chou. Non, c'est ma faute. Mais j'aime bien aussi. Ça ressemble à des peintures de locaux de course. Regarde. Chou-chou, whoosh. Chou-chou, zoom. Thomas, ton numéro. Ton 1 est recouvert. Chou-chou, non. Nom d'un vieux rail rouillé. Je suis sûre que Sandy pourra le nettoyer. Oui, mais les lanternes doivent être livrées à la ville des vicaires avant le coucher du soleil. Alors Sandy pourra nettoyer ça à ton retour, Thomas. Oh, d'accord. Oh, et en parlant de peinture, tu vas devoir recharger ton bidon avant de partir, Percy. Allez, viens. On dirait bien que ça veut dire que tu n'es plus la loco numéro 1, hein, Thomas? Bah, ce n'est qu'une tâche. Je suis toujours numéro 1 et je mènerai cette mission à bien. Oups. Peut-être que ce n'est pas qu'une tâche. Pas qu'une tâche, je suis toujours la loco numéro 1. Un peu de peinture ne change rien. Bien sûr que ce n'est qu'une tâche. Quoi? Ces vaches ne devraient pas être là. Oh, j'ai raté la route. Je n'ai jamais raté cette route. Quoi? Ce n'est pas si grave. J'ai raté la route et je vais la reprendre. J'ai failli oublier d'atteler ma livraison et j'ai raté la route. Et alors, je suis toujours la loco numéro 1. Oh, un autre train pourrait s'abîmer avec ce trou. Il faut que quelqu'un répare ça. Je suis toujours numéro 1. Et que le mystère commence. Quelqu'un m'a fait un cadeau. Génial. Ouvre-le. 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 Un poteau? Je me demande ce qu'il fait. Peut-être que c'est un énorme cure-dent. Ou un grotte d'eau géant. Qui peut bien m'envoyer ça? Regardez, il y a une étiquette. Pour résoudre le mystère de ce que vous cherchez, le prochain indice est caché sous la terre. Alors ce poteau n'est qu'une pièce d'un plus grand puzzle. Et la prochaine pièce est quelque part sous la terre. Mais où? Regardez, il vient de la vieille mine. Et la mine nous emmène sous la terre.
Le prochain indice sera à nous. Allons-y. Allons-y à toute vitesse. Hé, hey, attends-nous. Oui. Youpi. Ouvrons l'œil pour trouver l'indice. Qui peut bien envoyer ces énigmes? Ça, c'est un autre mystère. Ouh, ils sont très malins. Sandy, Carly, vous n'avez pas vu un cadeau pour moi par ici? Est-ce qu'il y a un gros nœud violet dessus? Oui. Tu veux dire comme celui-ci? Oui, c'est ça. Va vite l'ouvrir, Kana. C'est une pièce de moteur qui utilise la puissance pour faire tourner quelque chose. Peut-être pour un trail alors. Ou bien pour une moto. Ou encore pour un manège. Regardez, encore une étiquette accrochée. Peut-être qu'il y aura un autre indice dessus. Où quelque chose de vieux devient une nouvelle chose, c'est là que vous trouverez votre prochain indice qui se repose. Où quelque chose de vieux devient une nouvelle... chose. Celui qui est derrière tout ça ne facilite pas la tâche. Le fait que ce soit difficile à trouver rend le mystère encore plus amusant. Quelque chose de vieux, une nouvelle chose. Regardez, il y a un symbole de recyclage peint sur la paroi du wagon. Et les vieux objets se transforment en nouvelles choses dans une usine de recyclage. Alors c'est parti, mettons-nous en route pour l'usine de recyclage de WIF. C'est exactement ce que j'allais dire. Hé, hey, Carly. Coucou, Sandy. Quelqu'un a commandé des rails? C'est par ici, Locamiga. Posez les rails. Fixez les rails. Traversez les rails. Merci. Wow, c'est bien plus difficile que je pensais. J'avais vraiment besoin d'aide après tout. Et ce n'est pas terminé. Maintenant que tout est en ordre, allons voir cette montagne de sable géante. Allez, viens, Carly. Tu ne dois pas rater ça. Et qui sait, j'aurais peut-être encore besoin de ton aide. J'ai encore une réserve de rails au cas où. Chez WIF! La première chose que je ferai en arrivant devant cette montagne de sable, ce sera de construire le plus grand château de sable. Et vous, les amis? Je vais étirer mon bras élévateur pour voir si elle est plus grande que moi. Je parie qu'elle est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que tu feras, Thomas? Thomas? Oh, est-ce qu'on est... oh, arrivé? Oui, presque. Juste après cette montagne. Mais la pente est très raide. Je sens que je vais avoir très chaud avec cette cargaison de sable à transporter. N'en dis pas plus. Je peux te construire un ventilateur. Ou pourquoi pas un joli hangar douillet pour une sieste. Je peux aussi te lire mon histoire du soir favorite, la petite loco qui monte. Ça va aller, je pense que j'ai juste un peu soif, c'est tout. Regarde, il y a une réserve d'eau juste là. Je m'en occupe. Tu n'es pas obligée de prendre tout en charge. Je sais déjà à quel point tu es utile. Ne sois pas bête, avec plaisir. Dangereusement. Pas de soucis, je vais y arriver. Sandy, attention. Voilà une chouette zone de plongeant. Eh bien, je n'ai plus soif maintenant. En plus, tu vas transporter une réserve d'eau dans tes wagons. Problème résolu. Mais Thomas ne transporte pas de l'eau. Il va livrer du sable. Oh non. L'eau a transformé le sable en une boue pâteuse. Je suis sûre que le sable aura séché le temps d'aller chez WIF. Venez. Attends, tu ne peux pas grimper cette montagne. Le sable va se déverser. Comment on va faire alors? Tout ça est de ma faute. J'avais promis d'être la meilleure assistante qui soit. Pas de gâcher cette livraison. Ne dis pas de bêtises. Je ne serai jamais allée aussi loin sans toi. On va juste attendre que le sable sèche. C'est d'accord? Oui, on n'a qu'à attendre. Ah,